Coucou mes petits rissons, c'est Soy, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un tout nouvel épisode de la découverte du gameplay sur Heartland. C'est un jeu de construction de ville, donc base building, un peu de simulation et de stratégie dans la gestion des ressources. Et puis vous allez voir, il y a un peu d'ennemis à tuer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une nouvelle partie. On va faire une partie personnalisée. On va choisir, tiens, il y a 4 peuples. Il y a les Austriens, Estriens, Sudien et Nordien, un peu nord, sud, est, ouest. Donc chacun a des particularités, des avantages et des défauts. Par exemple, les Austriens, ils aiment bien la pierre, ils savent fabriquer, enfin miner de l'or et frapper de la monnaie. Leur unité de prédilection est le clair, ils consomment 50% de nourriture en plus et génèrent 20% d'impôts en plus. Les Estriens préfèrent boire du cidre en alcool. Leur unité de prédilection est le chevaucheur de cochon de guerre, ils consomment 50% d'alcool en plus et 20% et ont 20% de travailleurs en plus. Les Sudiens préfèrent le vin. Leur unité préférée, c'est le cavalier. Ils consomment 20% de moins d'alcool et ont 20% de moins de travailleurs. Et les Nordiens, c'est l'hydromel qu'ils préfèrent. Leur unité de prédilection, c'est le berserker. Ils consomment 25% de nourriture en moins et génèrent 20% d'impôts en moins aussi. Donc il y a aussi quelques petits trucs en plus, comme si par exemple les Nordiens sont des chasseurs et des pêcheurs saumoniers, ils peuvent garder les abeilles et les moutons de race, assurer la fabrication de saucisses et la fermentation d'hydromel. Donc ça aussi, c'est on va dire défini par la nation. Donc moi, je vais prendre un Estrien parce qu'ils aiment bien le cidre. Et je suis breton, donc le cidre, forcément, j'aime bien ça. Donc, toc toc, vert canard. Là, on va prendre. Est-ce que. Non, si je reste cliqué, ça ne bouge pas. Qu'est-ce qu'on va prendre? J'avais déjà regardé, il n'y a pas de petit hérisson parce que j'ai fait le petit tutoriel. J'ai fait le tutoriel histoire de découvrir un peu le jeu et de pas arriver les mains vides. Parce que dans ces petits trucs là, c'est sympa quand même. Si je peux vous montrer le maximum de gameplay en peu de choses. Bah tiens, non. Bon, on s'en fout au final. On va choisir. Y a pas une échoppe. Voilà, tiens, une échoppe. Hop, couleur du blason. Bah tiens, nickel, noir, hop, ça, comme ça. Le nom de la ville, ça va s'appeler Soy Laris. Le dirigeant, Soy. Bon, ça on s'en fout, hein, on va laisser ça comme ça. Le chancelier est un homme, ça on s'en fout aussi. La difficulté, on va laisser ça en normal. La taille de la carte, en large. Le nombre d'opposants au maximum. L'argent de départ, on va le réduire un peu. Ah bah on peut pas. Si, si je peux. Ah, et pourquoi ça ne veut pas. Merde. Ok, attendez. Donc 50. C'était 75 000. Donc on va mettre 50 000. J'essayais d'appuyer avec mon clavier numérique, mais ça ne voulait pas marcher. Hop là. 50 000, ça devrait être largement suffisant. Ressources naturelles normales. Les rivaux passifs, non. La gratuité de construction non plus. Niveau de difficulté générale 219, ça c'est très bien. Emplacements spéciaux, c'est pour par exemple les repères de dragons, les forteresses du mal ou autre, ça on va laisser. Élémentaire, les forces de la nature peuvent se fâcher si vous creusez trop goulement la pierre, le charbon, le fer ou l'or. Donc ça on va laisser ça aussi. Les égouts, infestés de monstres peuvent se multiplier lorsque la ville grandit, donc ça oui. Les vols et les cambriolages on va laisser. La peste c'est la maladie. Et accès à la mer dès le début de la partie, donc ça on va pas le faire forcément. Et on va faire. On va commencer la partie. Let's go. Ok. Oh, quel bel endroit, monseigneur. Je suggère que nous commencions à construire notre ville. Donc, on va commencer à construire notre ville. Qu'est-ce qu'on a par là? Tiens, on a des fantômes niveau 1 par ici. Là, on a du métal, c'est plutôt bien. Il y a de l'eau par ici. Là, il y a une tour de magicien. Un cimetière. Éventuellement, ici, là, il y a pas mal de trucs intéressants. Intéressant, je veux dire. Tac, tac, tac. Je regarde un peu ce qu'il y a. Toc, toc, toc. Donc, le plus avantageux, ce serait... là, il y a quand même un repère de troll. Fer et tout, on n'en aura pas forcément besoin tout de suite, tout de suite. Mais je pense qu'on va se construire vers ici, hein. Et on fera en sorte d'aller récupérer le fer et le charbon. On va construire notre campement. Pop, hop, hop. Bah tiens, par ici. Par ici, en plus, il y a quoi? Il y a des lapins par ici. Ça produit de la laine. Bon, on va commencer à construire les maisons. On va en construire
2, 4, 6. 6, voilà, nickel. On va construire une route. Toc. Nickel. Pour l'instant, c'est bon. On va mettre le jeu en vitesse normale. Je sais pas, je pense qu'ils vont arriver de là. Par contre, ils vont se faire sûrement attaquer. Peut-être pas. Non, ils se font pas attaquer. Donc ça, c'est cool. C'est cool, ils se font pas attaquer. Donc faudra qu'on fasse des bâtiments de défense pour éradiquer tout ça. On va construire une ferme. Tiens, on va la construire par là-bas. On va tirer. Ah non, c'est que démolir. On va faire une route. On va la construire là. Et on va tirer un câble jusque... Voilà, 36. Un chiffre rond. On va construire une ferme, du coup. On va gérer un peu nos... Ah tiens, regardez. Quelque chose que je n'ai pas parlé. Donc, en haut, vous avez la monnaie. Donc, la monnaie, l'argent que vous avez pour construire des bâtiments, gérer... entretenir vos soldats ou vos différentes ressources, le nombre d'habitants, la population, les places supplémentaires pour enfin que vous avez, le niveau d'impôt et le chômage, la connaissance, la magie, la gloire et la date que d'où on est. Donc bon là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir construire de la nourriture, agriculture, voilà. De toute façon, pour l'instant, on peut planter que des navets ou des pommiers. Bon, pour l'instant, on va planter des navets. Hein. On va faire une, deux, trois, allez, quatre fermes. Et on va planter des épouvantails pour que nos grains ou nos navets ne se font pas bouffer par les corbeaux. Donc, hop, ah oui, j'ai toujours du mal. Faut faire ça. Toc. Nickel. Et un autre champ. Voilà. Comme ça, on va déjà avoir quelques petites productions de nourriture. Ce qu'on va pouvoir faire éventuellement, c'est qu'on va pouvoir mettre un entrepôt, hein, juste ici. Et l'entrepôt, on va décocher tout parce que par défaut, sinon vous tout va être stocké dans cet entrepôt et on va vouloir qu'ils mettent juste des navets. On va mettre dans la foulée un stand de colporteur par ici. Toc. Allez, tiens, par là, comme ça va gérer un peu tout ça. Et notre stand de colporteur, en fait, il va aller chercher la nourriture qu'il y aura ici et va la distribuer dans les maisons parce que chaque maison a besoin a des besoins particuliers pour évoluer pour pouvoir comment dire évoluer et puis nous rapporter plus d'argent. Donc voilà. Bon, pour l'instant on a 96 habitants, donc c'est bien mais c'est pas assez. Place du marché pour colporteur, taxes et économie. Tiens, taxes, on va mettre main-d'œuvre et chômage plus 20%. Donc là, le chômage est à 20. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc pour l'instant, ça va être très bien. On va laisser ça comme ça. On a du blé qui est par ici. On a ça. Il va nous falloir du bois. Du bois. Mais on va le construire de l'autre côté. Tiens, nickel. 34, on va aller un peu plus loin. Ah ouais, j'ai l'arbre qui m'embête là en fait. Ok, bon, on va casser l'arbre. Tac. Nickel. Et on va aller par ici. Ici, du coup, on va aller commencer à construire des cabanes de bûcherons. La zone, elle est comme ça devrait être pas trop mal. On va en planter un, deux cabanes de bûcherons. Les forestiers plantent des arbres et des fleurs. Bah tiens, on va en planter un. Nickel, ça va être très bien. Et il nous faut un herboriste. C'est où déjà l'herboriste? Non.
Ah, non. Toc toc toc, c'est pas ici, c'est pas ici. Agriculture non plus. Là, c'est l'élevage. Matière première. Je crois que c'est dans la matière première. Cabane de forestier. Non, c'est pas ici. Infrastructure, c'est pas ici non plus. Stockage et distribution, non. Industrie, ah voilà, ça doit être là-dedans. Ah, il est là. Herboriste. Normalement, herboriste recueille les champignons et produit un chargement de remède à partir d'un chargement de champignons et un chargement de bûches. Ok, donc là on a tout ce qu'il faut. On va construire directement deux entrepôts. Toc toc toc. Les entrepôts, c'est par ici. On va mettre un entrepôt. Le bâtiment ne dispose pas assez de travailleurs. Donc on va devoir s'en occuper. Un entrepôt pour les bûches. Voilà. Et un entrepôt pour les médicaments. Toc, 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 toc. Ils sont où déjà? Les bière cidre. Voilà. Donc on n'a pas assez de travailleurs. Donc on va devoir construire d'autres maisons. Hein, on va le faire ça tout de suite. Non. Voilà. Ok. Pourquoi je laisse une petite comment dire, un petit espace, c'est pour pouvoir poser des embellissements pour faire en sorte à augmenter l'attrait sur un rayon de 4 tuiles. Ok. Ah oui, et ça, il nous faut de la pierre, mais pour l'instant, on ne l'a pas. Coffre de jardin, bah tiens. Voilà, ce sera très bien comme ça. Et ici, nickel. Et on va juste casser ça pour remettre. Comme ça, ce sera déjà fait. Autant le faire. Toc, toc, toc. Ici, on pourra remettre nouvelle route commerciale disponible. Je voudrais juste vous informer que Riddling, le intelligent de Pickhatch, voudrait nous acheter de la viande. Monseigneur, une nouvelle route commerciale est disponible. Ouais, sauf qu'on n'a pas de viande pour le moment. Bon, donc on va accélérer un peu le temps. Vous voyez, là, il y a d'autres villageois qui arrivent. On va avoir un peu plus de manœuvres. Parce que pour l'instant, ça manque d'employés. Et on n'a toujours pas distribué aussi de la nourriture. Vous voyez, là, là, les gens commencent à arriver. Ça va augmenter notre. On va laisser en vitesse normale pour augmenter tout ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, tiens? Toc, toc, toc. Si je me rappelle bien. Aperçu de l'économie. Industrie de l'alcool. Brasserie de cidre. Bien, il nous faudra des pommes, du cidre et de l'eau. Ok. Et pour faire de l'eau, de mémoire, ça doit être par là. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà créer aussi d'autres champs pour faire des pommiers. Les pommes peuvent être récoltées par les planteurs. Ils prennent environ 6 mois à pousser une pousse de pommier pour arriver à maturité. Ok. Bah tiens, ce qu'on va faire éventuellement, c'est qu'on va mettre plein de pommiers de ce côté-là. On va faire un champ de 20. Sur 7. Voilà, ça va être très bien. Ici, on va rajouter une ferme. Et on va laisser tout ça pousser. Ok, d'accord. Toc, 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 toc. Réfléchis, réfléchis. Sorry. On va poser ça là. On va lui dire non. On veut juste des pommes dedans. Voilà. Donc là, nos maisons ont évolué. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est de l'alcool pour pouvoir évoluer. Et pour cela, on va devoir du coup construire, comme je vous ai dit, des pommes. Des pommiers qui vont devoir évoluer. Donc celui-là, il m'embête un peu.
Hop. Voilà, tout ça. Comme ça, on prévoit large. On prévoit large. Cabane du berger, non. Porcherie, on s'en fout pour l'instant. Puits, tiens, voilà, c'est ça. Le puits donne à vos brasseries et boulangeries un apport constant en eau. Vous en avez besoin d'au moins un. D'un puits pour 4 bâtiments nécessitant de l'eau. Bah tiens, on va mettre le puits, je ne sais pas. Attendez, réfléchissons bien. Réfléchissons bien, la brasserie, elle est où? On va mettre une brasserie de cidre par ici. Là. Ok. Tout ça, on va laisser ça comme ça. Et la brasserie, voilà, le puits est là. On va mettre un puits ici. Et j'ai bien envie de remettre une brasserie juste ici pour le moment. Donc on va attendre. Donc il nous faut quoi? Il nous faut des bûches et des pommes. Les bûches, elles sont en train de se faire stocker là. Et je pense que la cabane ne va pas suffire. Pour faire en sorte que... Voilà. On prépare le terrain en fait. On va reconstruire une autre hutte, une autre cabane de forestier pour replanter tout ça. Ça va planter un peu tout plus vite. Et celui-là, je vais le spécialiser dans la plante d'arbres. Parce que vous voyez, on n'a pas assez d'arbres. Et ça, c'est pas cool. Donc là, voilà. Donc là, ça stocke. Ici, c'est bon. Là, nos pommiers, ils commencent à grossir. Donc ça, c'est cool aussi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se... Dans quoi on va pouvoir se spécialiser? Là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent de la nourriture, des médicaments. Ça, c'est bon. De mémoire, là, on stocke des médicaments. Ouais, c'est ça. Et un truc que je n'ai pas fait, industrie, ça doit être dans l'industrie de mémoire. Donc, il y a l'herboriste plutôt. Et c'est dans quoi? Je ne sais plus. Apothicaire, voilà. L'apothicaire livre les médicaments aux maisons dans le but d'empêcher les épidémies. Voilà. C'est ça qu'on va devoir placer. Et on va le placer par ici. Voilà. Donc, comme ça, ici, ça va être plutôt pas mal. L'apothicaire va distribuer des médicaments dans la zone. Toc. Toc, toc, toc. Et je crois que je me suis planté en fait. Celle-là, j'aurais pas dû la mettre comme ça. Et ouais, je me suis planté. Merde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démolir tout ça. Ah non, en fait, non, je m'étais pas planté. Toc. Voilà. Ça, on laisse ça comme ça. Et là, on remet des maisons. Ouais, en fait, c'est parce que j'ai pas pensé à laisser un champ libre pour placer des améliorations comme ça. Pof. Voilà, nickel. Donc là, en bouffe, on commence à être bien. Éventuellement, faudra peut-être qu'on mette une autre ferme là pour produire un peu plus. Est-ce que déjà on peut, je ne sais plus, switcher esprit de la terre? Donc ça, on s'en fout pour l'instant. Lancer un sort, on s'en fout. Je ne sais plus, attendez, hop, pause. Ok, là, en fait j'ai trouvé ce que je voulais. On peut pas tourner vers la rotation, mais on peut masquer les bâtiments. Et du coup, pour tracer certaines routes, c'est un peu plus simple. Donc voilà. Ok, donc on va retourner en vitesse accélérée histoire de vous montrer le plus de choses possible. Donc là, j'ai le médecin qui est là, qui fabrique des trucs. Pour l'instant, les routes sont plutôt améliorées. Notre pommier, ils sont en fleurs pour certains. Et là, les pommes commencent à arriver. Une nouvelle route commerciale. Ouais, mais pour l'instant, on s'en fout. On veut pas de route commerciale. On veut se développer tranquillement. Toc, toc, toc. Donc là, c'est bon. Nouvelle route commerciale. Ok, on s'en fout.
Bonjour, voisin. Nous requérons votre assistance pour l'un de nos prochains. Nous sommes à court de 1500. Nous pouvons nous attendre à que vous nous donniez le reste. Vous avez 6 mois pour le faire. 1600, bon allez, on accepte. Monseigneur, la cargaison de 1600 est prête. Dois-je ordonner l'expédition à Dunsfor? Un bonus de 27 d'opinion avec eux. Ouais, on lance l'expédition. Merci pour l'envoi, souverain. Nous allons essayer de vous rendre l'appareil. Ok. Donc, pour l'instant, nous, on va continuer à faire ça. Donc, on a aussi des unités pour gérer tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire de l'élevage. Canne du berger, canne du berger. Toc, toc, toc. Des chèvres, les bergers traient les chèvres pour avoir du lait. On va faire une porcherie. Et la porcherie, tiens, on va la faire de ce côté. On va la mettre dans le fond par là. Toc. Voilà. La porcherie, on va en mettre une là. Et pourquoi? Ah oui, on ne peut pas y aller parce que il y a la tour du mal qui nous fait chier là, pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un enclos là, avec quelques petits ports par ici. Hop là. Ça là. Voilà. Et moi, ce que je veux, c'est un entrepôt maintenant. Voilà, un entrepôt qui stocke la viande et le cuir qui est ici. Parce que le cochon vont nous donner de la viande et du cuir. Ok, donc ça c'est bon. On est bien, on a quelques cochons. Là, notre pomme, nos pommiers sont en train de récolter, donc ça c'est cool. Le cidre, il est là. Et ça, ça stocke quoi déjà? Ça stocke juste les pommes, donc on va éventuellement refaire un autre entrepôt ici. Non, on va pas le faire ici. J'aurais pas dû le faire ici. On va le faire ici. Et on va stocker juste le cidre. Il est où? Il est là. On va stocker tout le cidre qui est ici. Ça, on va le démolir. Du coup, il ne sert à rien. Voilà. Et maintenant, ils veulent des matériaux de luxe, du mobilier. Donc, on va devoir augmenter un peu notre production de bois maintenant. Donc, là, c'est cool. Là, le cidre est en production. Donc, ça, c'est bon. Pour ça, on va devoir faire une industrie par ici. D'accord. Au niveau de là, on va commencer à construire. Comme ça. Hop, on va l'envoyer par ici. Et par là, on va du coup construire maçonnerie. Non, il nous faut une scierie. Je crois que c'est par là. Non. Du coup, c'est dans quoi déjà? Ah voilà, c'est ici. Donc il nous faut une scierie. La scierie produit des planches pour... ok. Et le charpentier... On peut encore accepter. Allez, hop. Super. Le charpentier produit des meubles avec des planches. Donc on va produire. On va mettre le charpentier juste ici. Un sale gobelin voleur a réussi à arracher un truc de cidre à l'un de nos lieux de stockage. Monseigneur, nous devons mieux nous défendre nos ressources en construisant des tours de guet. Ok, bon, on va devoir se dépêcher parce qu'il y a des gobelins qui nous font chier. Donc là, ça c'est bon. On va mettre, comme d'habitude, une petite zone de stockage ici. Et on leur dit, ok, on stocke les planches. Non, pas de ce côté-là. Le mobilier. Fourniture, voilà. C'est ça qui me semble qu'ils fabriquent. Voilà, ils fabriquent des fournitures. Et ici, on leur dit, hé les gars, stockez-moi les planches. Voilà. Donc ça c'est bon, il va falloir qu'on construise des tours de guet.
fortification, tour de guet, tour de garde, tirer un. Le rythme tir dépend du nombre de travailleurs. Bon, éventuellement, on va commencer à construire une tour de garde. Et pourquoi je ne peux pas? Ah, il nous faut de la pierre, d'accord. Ici, ça va être bien. Ici, on va en construire un autre. Ah, et pourquoi je ne peux pas? Ah, je n'ai pas assez de bûches, regardez. Faut qu'ils construisent plus de bûches. On va attendre. Allez, 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 dépêchez-vous les copains. 10. Donc là, on a d'autres... vous voyez, il y a d'autres gens qui arrivent, là. D'autres gens qui migrent vers chez nous. Bon, pour l'instant, on n'a pas assez de bûches, donc on va attendre. Ouais, on n'a pas assez de bûches. Donc on va attendre un peu tout ça, tout ce qui arrive. Là, au moins, ça va nous stocker tout ça. En bouffe, on est comment? On n'a pas assez de navets, vous voyez. On va devoir produire un peu plus de navets. Toc, toc, toc. Une route. Ici. On va construire plus de fermes. Plus de fermes parce qu'ils sont pas mal occupés du coup à ça. Ah oui, et je peux leur dire de récolter des plantes ou planter des navets. Ça, j'avais pas fait attention, en fait, c'est de ma faute. Donc là, ok. Voilà, on va mettre 4 fermes. 1, 2, 3, 4. On va mettre 5 fermes à la pousse de navets. 5 fermes à la pousse de navets. Et le reste, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Toc, 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 toc. Agriculture. Un épouvantail. Et on va remettre un champ de navets. Hop là, comme ça. Là, ça va être plutôt pas mal. Ici, on est bien. Éventuellement, on va reconstruire un autre entrepôt. Par ici. Nickel. Et on va lui dire de stocker juste du coup de la nourriture. Ok. Et voilà. Comme ça, ça va être mieux. Voilà. Comme ça, ça va mieux stocker. Pas assez de travailleurs. Pas assez de travailleurs. Pourquoi tu veux plus de travailleurs? Donc là, en gros, la maison n'est pas assez bien. Bah tiens, on va construire une mairie par ici. Toc. La mairie, comme ça, on va pouvoir mettre un bureau des impôts. Juste par ici. Apparemment, les paysans pensent qu'ils peuvent faire quelque chose ces jours, monseigneur. Un sac de 1 vient d'être volé par un cambrioleur en ce moment. Faire sauter. Bon bah... on n'a pas trop le choix, va falloir qu'on mette des gardes pour empêcher tout ça. Ok. Ok, ok. En attendant, ce qu'on va pouvoir faire... un bout de route par ici. On est toujours en manque de travailleurs ou quoi? C'est ça la question. Est-ce qu'on est toujours en manque de travailleurs? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une petite maisonnette par ici. Une petite route par là et on va devoir sucrer ce petit arbre qui me fait chier. Et éventuellement on va construire de l'autre côté aussi. Hein. Faudra y penser à tout ça. Faudra y penser et infrastructure. Hop, un petit arbre par ici. Et voilà, par ici ça rend plus joli. C'est toujours plus sympa. Donc là, par contre, on produit pas assez de bois. On va devoir, du coup, démolir ce qu'il y a là et construire une autre cabane de bûcherons.
Parce que là, du coup, ça ne produit pas assez. En employé, on est comment? On n'a pas assez d'employés non plus. Hein, va falloir qu'on trouve un peu plus d'employés. Avec nos fermes, là, ça parie pas mal de gens. C'est pas grave, c'est pas grave. On est comment là? En pommes, on n'en produit pas assez. En pommes, on n'en produit pas assez. Ça, c'est chiant. Ça peut être problématique. Ça peut être problématique. Bon, pour l'instant, sinon, en planche, on n'est pas assez bon. Médicaments, on n'est pas assez bon non plus. Le reste, les navets, c'est bon. Bah, éventuellement, on va repasser une cabane à navets en récolte de pommes. Et celle-là, on va la laisser juste en pommes. Celle-là, on va la laisser juste en pommes aussi. Et un truc que je n'ai pas pensé en fait, c'est que j'aurais pu mieux optimiser tout ça pour pouvoir planter d'autres fermes. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent. Cette maison ne peut pas évoluer tant qu'un marchand ambulant ne peut pas fournir de vêtements. Ok. Donc, prochaine étape, ce sera la fabrication de vêtements. Mais avant tout ça, eh ben, on va s'arrêter là. Tiens, on va construire une petite cabane. Bonjour, nos voisins requièrent assistance pour l'un de ces projets. Bon, on va accepter. On a pas mal de viande, donc on s'en fout. On peut lui les passer. Par contre, voilà, on va supprimer ça. Ah putain, et pourquoi ça ne veut pas? Normalement, c'est ce qu'il faut. Ah, en fait, c'est juste que j'avais cliqué sur le corps de garde. Je pense que c'est ça que j'avais. Ou je sais pas sur qu'est-ce que j'avais cliqué. Ah, voilà. En fait, un corps de garde, ça me permet de construire au-dessus des maisons. Et de barricader tout ça. Donc ça, faudra qu'on s'en occupe aussi plus tard. Donc on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une ou deux vidéos en plus pour vous faire, pour vous découvrir un peu plus de choses. Je laisse le jeu de côté. Donc voilà, je vais sauvegarder et puis faire en sorte de garder tout ça de côté. Donc voilà. J'espère que le jeu vous aura plu. Moi, j'adore ces petits jeux-là, ces petits jeux de construction de ville, de gestion et tout. Je vous ai vraiment pas tout montré parce qu'on peut construire des guerriers qui vont pouvoir attaquer par exemple ce bâtiment là, le cimetière ou les autres trucs qui nous font chier dans la zone. Donc vraiment vraiment beaucoup de trucs, encore de trucs à voir. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous, j'espère, je vous dis du coup à très vite sur l'un de mes let's play en cours ou sur une autre vidéo d'un jeu indépendant. Allez, des bisous, c'était Soy, merci encore d'avoir suivi, ciao.